Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de USC Counter Force. On se retrouve pour tenter d'extraire notre petite équipe. Il faut qu'on atteigne ce point, c'est pas si loin, mais il y a du monde sur le chemin et pour l'instant surtout on est coincé. Il va falloir que Dr. Darin ouvre le chemin. C'est pas forcément l'idéal ce qu'elle a pour ouvrir le chemin. Non, on fera rien avec ça face à face, c'est pas possible. Faut qu'on recule. On va laisser un full burst passer. Même si c'est pas idéal avec l'armure, c'est toujours mieux. On recule. Toi, du coup, touche ce truc. Laisse un autre soldat passer. Alors, je pense que techniquement, il doit être mort, lui. Avec toutes les stacks. Il faut qu'on sorte. Ah ouais, putain. Ah ouais. Ok. Alors, ça me va s'il n'y a rien de plus méchant. En tout cas, proche. Par contre, lui, il faut qu'on le tue. Et malheureusement, il a du potentiel. Allez. Oh, t'es sérieux, tu l'as pas tué. Non, mais non. Est-ce qu'on peut aller là? Non. On peut aller tout là-bas, vas-y. Toi, t'as plus rien. Aux pompes, c'est pas la peine. Il faudrait que toi, tu viennes ici. Tu peux pas parce que t'es coincé par toutes ces caisses. Ah, fais chier. Ouais, toi, t'es coincé du coup. Comment on va te décoincer? Il faudrait qu'on tire cette caisse-là. Là, tu peux passer. Non. Par contre, tu peux... Touche. 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 Ah, puis il y a ça qui est devant. Mais quel enfer! C'est pas possible. Ça y est, tu peux te faufiler. Nickel, quand même. Voilà. Ça a désintégré la caisse, quoi. Du coup, toi, tu peux plus bouger. Ici, on va couvrir par là, même si on peut pas y faire grand-chose. Il y a des ennemis qui arrivent. Là, il y a un petit verre, ok. Alors, on va faire avec, hein. De toute façon, on n'a absolument pas ce qu'il faut pour y faire quoi que ce soit. Ouah, tu pourrais venir jusqu'ici et couvrir ce flanc avec ton pompe. On va se mettre en single quack. Et Malvin Génieur pourrait venir par là. Understood. Et genre couvrir reload et couvrir par là. Et on va voir ce que ça donne. Il y a des ok close. Il y a toujours le nid hein, qui doit être en train de se développer de fou là. Hein. Lui, si on peut éviter de le taper, on évite. Hein. Là, ah non, lui il va jamais être à portée. Ouais, quoique. C'est pas totalement inenvisageable. Ah putain. Ok, c'est bon. Le pompe à deux cases de distance qui marche pas, quoi. Ça fait pas plaise. Ah. Putain. En plus, il a encore du point d'action. Allez, là. Bon. Il a une grosse armure, mais on a malheureusement pas moyen de le contourner. Donc, il va falloir y aller à coup de couac-couac. Alors, un single, vu qu'il nous reste des munitions, après, quack-quack, voilà. Est-ce que tu peux atteindre là-bas? Non, de toute façon, tu peux pas. Donc, allons par ici. Là, c'est une petite mouche. Docteur Darin, t'es là, il te reste un soin. C'est toi qu'elle reste. Acide... Acide, plus d'acide. De toute façon, on n'a plus d'armure, donc ils se sont fait... ils se sont fait raser, mais là, il nous faudrait un... Il nous faudrait un... Là. Toi, tu peux aller jusque-là. Vas-y. Ici, il n'y a rien qu'à casser, finalement, ce qui veut dire que c'est assez safe dans ce sens-là. Reste assez pour reload. Vas-y, tu vas défendre par là. Vraiment avoiner ce qui passe avec ton pompe. Ici, du coup, on met un coup de soin. Et après, on va aller
se faire lui. Merde. 73, c'est pas ouf, hein. On peut avoir mieux peut-être. Voilà, 100 c'est bien 100. J'aime avoir 100 de chance de toucher. Ensuite, tu vas tout là-bas. Alors là, en fait, j'ai pas envie d'être ici parce que ce truc-là tire. Donc j'aimerais tant qu'à faire l'obliger à rentrer. Pour qu'on puisse l'allumer, si possible. Vas-y, défends le soldat qui est là. Il faudrait qu'il se replie également. Est-ce que tu peux aller jusqu'ici? Tu peux aller jusqu'ici, tu vas filer ça à elle. Ah merde, putain, je voulais le donner, je l'ai utilisé, quel con. Tant pis, bah tant pis. Merde, ça c'est un, ouais, ça c'est un petit misclic parce que je voulais utiliser pour soigner Malvin Junior là, qui en profiterait bien, je pense. Et on est à portée d'extraction normalement. Donc, prochain tour, on tire même pas, on se bat. Le coup de pompe qui a pas fait si mal hein, en vrai. Aïe. Oh putain, 31 de dégâts quoi, sérieusement. C'est ça, barre-toi. Alors il y a peut-être d'autres loot ailleurs, hein, mais on va pas risquer. On va pas risquer ça. On va se barrer. Juste toi, cette fois, je me gourre pas, tu donnes. Malvin Junior, tu viens là. On va l'utiliser, tant pis. Et après, on s'arrache. Alors, on s'arrache. Pas vraiment, hein, on retourne à la zone du dessus, mais au moins, on est quand même... On avait un peu nettoyé la zone du dessus. Si on peut dire. Je sais pas trop s'il y a d'autres aliens qui vont apparaître. Hop, on extrait. Alors, il pourrait être intéressant en vrai que j'utilise les derniers points pour recharger avant de m'extraire, mais bon, tant pis. Mission successful. On récupère encore quelques médailles. On regardera en fin de mission qui a gagné quoi. Et maintenant, extraction. C'est parti. J'espère que ça va être la même et qu'on aura nettoyé pareil, parce que sinon ça va être compliqué hein, de ressortir. Ah putain, c'est pas du tout le même endroit. Alors, il faut extraire au moins une unité, dont le data disk, et on a 13 tours. Ok. Et l'extraction point, cette fois on le connaît, il est là-bas, c'est ça? Ok, cette fois on le connaît. Bon. Alors, est-ce qu'on a des choses à faire avant d'avancer? Peut-être un petit peu de soin. Un petit pansement là. Là, on a un petit peu de poison, un peu de poison, un peu de poison, mais on n'y peut pas grand-chose. On a presque plus de munitions. Et on a direct... un gros ennemi bien vénère, mais on a une porte qu'on pourrait envisager de fermer rapidement. Et là, un scorpion au fond. Parfait. Donc on va avancer direct avec toi. Allez, faut te le faire là. Voilà, merci. Ah putain, ouais, l'hydrazine par terre. Donc gaffe à ça. Là, on va aller dans son dos. On lui met des coups de pompe dans la mouille. Et on n'en parle plus. Alors j'aimerais bien pouvoir passer cette zone là. Alors il y a des flammes maintenant. On va pas pouvoir mettre tout le monde sérieusement. À cause de ces putains de flammes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de l'agilité suffisante pour sauter? Je crois qu'il y en avait au moins un. Ouais. Toi du coup tu pourras sauter là. Donc tu passes en premier. Tu sautes jusque là. Et tu fais coucou. Tu finis. Voilà. Oh là, il y a un petit bug de texte là.
Donc toi, tu se passeras en dernier pour aller jusqu'ici et verrouiller la porte. C'est parfait. En avant. Yes, sir. Avant. Copy en avant. I'm on it. En avant. Et tu me verrouilles cette porte. Ah, elle ferme pas. Putain, elle ferme pas la porte. On peut pas la fermer. Merde. Bah du coup, tant pis. C'est bizarre, il y a un espèce de... Il y a des symboles qui sont apparus un peu partout, là. Je vais juste... sortir, revenir, voir si ça se règle. Ah oui, ok, il a carrément... carrément bugged. On va recharger, si ça se règle pas, je rechargerai carrément le jeu. Ok, je mets pause et je reviens. Hop là, de retour, c'est bon, j'ai rechargé le jeu, on est bien. Du coup, il s'avère qu'on ne peut pas fermer ça, ce qui veut dire que là on s'accroupit, on reload, on défend. Là on s'accroupit et on fait rien de plus parce que t'as pas ce qu'il faut pour faire plus. Et du coup là, on va défendre en short burst, ici pareil. On défend, toi du coup... Le problème c'est qu'on est coincé quoi qu'il arrive avec les flammes quoi. Et pas le choix, faut qu'on progresse par ici. Enfin, en tout cas, ça paraît le plus logique. Ouais, ça se trouve c'est même pas le plus logique en fait. Est-ce qu'on pourrait mettre un petit coup de scan par là? Ok, si c'est bon, il y a un chemin. Et puis là, il y a des trucs qui bloquent le chemin des aliens, ça c'est plutôt pas mal. Ok, toi... T'as qu'un reload avec ton point. Ok, c'est parti. Il y a des aliens, il y a quand même des bonnes chances. Voilà, ils vont devoir essayer de passer à travers les murs ou faire le tour. Et là, on va pousser ce truc-là jusqu'ici, comme ça les bloquera. Et voilà, là, il y a du gaz parce qu'il a l'air d'avoir de la salle en dessous. Il vient d'où, lui? Il devait être déjà dedans, du coup. Ah ouais, hein, si t'arrives pas à tuer les trucs qui t'arrivent dessus, je sais pas quoi te dire, moi. Mon cher soldat. Bon, ça passe assez vite les tours, il n'y a pas tant d'aliens, même s'il y en a, clairement. Quelqu'un qui fait le tour, là? Ah ouais, non, d'accord, ils sont déjà en train de péter, là. Ouh, coucou, toi! Ok, il y a effectivement des aliens, et nos PV tombent, malheureusement. Il faut qu'on se brouille le cul. Plus de munitions. Ah oui, plus de munitions, genre plus de munitions, quoi. Là, il n'y a juste pas moyen de passer. Celui-là, il est à 230. Bah tant pis, il va falloir prendre du build-up de flammes. Oh putain, en plus, on en prend un max. 44. Vas-y, allume ça. Comment on va faire, putain, pour passer ça, quoi, sérieusement. C'est abusé, le scorpion qui nous fout dans la merde. Et là, on a plus de munitions non plus. Hein. Enfin, après, on a celle-là, là. On a les biocharges. Donc là, on est d'accord. Ah, toi, tu peux sauter. Vas-y, saute. Donne ça ici. Et ce sera toujours ça de prix. Donc comment ça se passe? On prend damage, build-up divisé par 5. Ok, à chaque fois il y a un jet qui est fait contre le build-up actuel. S'il échoue, on prend build-up divisé par 5 et on a burning. Ensuite c'est réduit de la moitié. Bon, on devrait pas prendre trop de dégâts. Ça va piquer un peu, mais on devrait pas prendre trop de dégâts. Alors, toi, j'aimerais bien que tu avances jusqu'ici. Ok, là, il y a quoi? Un skitter et un petit worm. C'est acceptable. On va push. Push. Voilà, là, c'est bloqué. Jusqu'ici et mettre un full burst sur lui.
Et après, on a du tout ce qu'il faut pour fermer les portes. Ok. Alors, toi, si tu mets... alors, on va regarder. Tac, tac, tac. Tu peux pas sauter, donc tu vas devoir prendre les flammes. Ah ouais, je sais, ça fait chier, mais bon. Affirmative. I'm on it. Ah oui, je vous le voyais pas dans quel sens il était le skitter, mais oui, il est tourné par là, d'accord. Ok. Fait chier. Là, il y a un hatch. Il y a encore tellement de chemin, mais c'est potentiellement une ligne droite. Ah, il y a un œuf ici qui va nous lâcher de la... De la saloperie en boucle, quoi. Bon, toi debout. On est d'accord que là, t'es obligé de sauter ici. Bah vas-y. No problem. Alors. Toi, ma chère. C'est ça, tu peux sauter toi aussi que deux. Donc, yes, sir. Vas-y, à l'ancienne. Je vais venir ici. Et normalement, ça, ça enlève du fire. Hein. Yes. Hop, sur toi, sur toi. Ah, j'aurais peut-être même pu... Ça coûte 7, ouais, dommage. J'aurais pu le mettre sur lui avant, mais tant pis. Y a pas moyen de lui mettre un peu de soin à elle, là? Non, hein, on a plus de soin du tout. On a plus de soin du tout. Ok, va là, recharge. On va avancer le soldat qui est full life. On va défendre... Par là, même si là ça m'a l'air d'être un cul-de-sac, ok, donc plutôt vers le bas. Alors, faut que tu reload. Ah non, tiens, t'as plus de munitions, c'est vrai. Il faut que toi tu lui en donnes. Voilà. Ok. Ok, ok, ok. On a de quoi faire pour les flammes, c'est plutôt cool. Toi tu défends. Plus bouger, bah toi t'as qu'à venir jusqu'ici. Ramasser une rasine, pourquoi pas. Et bah on va finir ton chargeur. On trouvera bien des gens sur qui tirer, je suis pas inquiet. Et on va continuer d'explorer par là. Ah putain, ici c'est un cul-de-sac. Il faut qu'on passe par là, ok, visiblement. Très bien, bah heureusement qu'on a ça parce que. Oh, je me serais barré par là, quoi. Clairement. Ok, c'est parti. Pisse-pousse, tu peux rien faire pour le moment. Ça s'excite dans notre dos. Là, il est en 25. Ah ouais, on a plus d'armure, ça fait tellement mal. Oh la vache. Oh, mais non, faut pas miss ça, sérieux. Ah ouais, du coup, bon, après l'avantage, c'est qu'au moins, le chemin est bloqué, quoi, mais... Faut pas miss des tirs pareils, quoi, sérieusement. Oh la vache, ils ont désintégré ça, et l'autre, il nous pose des saloperies, putain. Ça grouille tellement, d'ennemis. Quel enfer. Oh là 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 là, on a plus de soins quoi. Même pas un petit bandage, je crois qu'on a même plus un petit bandage. Alors on va manger chaud là. Il nous reste des petits novoplastes. Et bah putain. On dirait qu'on n'est pas sorti du sable. Vas-y, allume ça. Allume lui, de toute façon, c'est full armure partout. Ok, on va garder quelques points d'action pour se déplacer. Toi. Ah, alors, faut que tu ailles jusqu'ici. Ah, mais non, mais il y a de la saloperie partout, là. Il va falloir qu'on saute, sérieusement. Vas-y, saute là. La porte, là, on peut pas la fermer. Non. Toutes les portes sont désactivées. Il ne doit plus y avoir de courant, en fait. Allume-moi ça.
En plus, il a de la régénération, la saloperie. Allez, tue-le. Merci. Un full burst là-dessus. Tu reload. Un full burst là-dessus. Parfait. Là, au moins, ça s'est en flamme, donc ça va disparaître au bout d'un moment. Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas tuer ça? Il faut qu'on parte par ici, absolument. Oh, on le rate. Putain. C'est de la déprime, quoi. Allez. Oh là là. Oh putain. Oh la vache, quoi. On va tellement se faire défoncer les fesses. Bon. Est-ce qu'on aura... Il nous reste de la grenade. Il nous reste de la grenade avec Pisse-Pousse. On pourra les grenader éventuellement par là. Ah merde, faut que j'aille là. Oh, ça fait tellement rien. Dingue, c'est pas possible. Bon, quoi que dans sa mouille. Voilà. Un single quoi que pour toi. T'as plus de points. T'as plus de points. T'as plus de points, t'as plus de points, hein, qu'est-ce que je te dise, moi. On va y aller avec lui, du coup. Ça, c'est la priorité. Ensuite, lui. Malvin Junior. Vas-y, saute. Non. Saute. Qu'est-ce que tu vois de là où t'es? Ça. 85, c'est pas mal. Bon, reload. Et t'as plus assez de points pour faire quoi que ce soit. Parfait. On va avoir des morts. Hein. Moi, je vous annonce là. On va avoir des morts. Là, tu peux reculer un peu, non. Ouais, on va foutre elle devant. Vas-y, défends. Regarde derrière, histoire qu'il y ait quelqu'un qui regarde derrière, mais... Ça devient compliqué, là. Un petit peu compliqué. Bon là c'est bloqué un peu. Oh la vache. Ah putain, si lui vient et qu'il tape là-dessus, on va tellement manger. Aïe. Ah, il va crever. Ok. Ok, 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 ok. C'est la merde. En plus c'est du couloir donc on peut même pas utiliser notre lance-grenade pour essayer d'optimiser un peu les dégâts quoi, ils sont hyper mal placés tous. Lui qui arrive après avoir traversé toute la zone de flammes. Une panique. Oh mais non. Oh mais non, mais c'est pas possible. Aïe 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 aïe, quel enfer. Quel enfer. Bon, les rigueurs là, ça pourrait être pas mal de les grenader un peu. Du coup, il faudrait que toi tu puisses passer. Éliminons ça. Non mais sérieux, c'est une petite merde, hein. Tu peux quand même lui minigonner un peu la tronche plus efficacement s'il te plaît. Toi viens là. Toi du coup tu viens ici. Si t'équipes ça, tu peux tirer où? Là, c'est pas ouf, ça serait mieux. Je préférerais un tir par là. Faudrait que tu sois ici, que toi tu recules. Voilà, ça c'est pas mal ça. Voilà, ça nettoie un peu. Et là, est-ce qu'on n'aurait pas une petite grenade à lui balancer?
Grenade des familles, histoire de dire. Là, ça grouille de skitter. Toi, t'as de la grenade. Viens ici, mets un truc comme ça. Et tu peux balancer une grenade comme ça. Ok, c'est pas si mal. En vrai, c'est pas si mal. Ici, du coup, on peut caler du full burst. Après, c'est enflammé de partout, bien sûr. Vas-y, reload. Non, normalement, il y a un truc. Fire. Ouais, c'est ça. On n'a plus du tout assez de points d'action, malheureusement. On va aller se planquer par ici, si on peut parler de se planquer. Ok, protectrice pisse-pousse, ça serait pas mal que tu puisses passer, mais d'abord toi. On va cramer tout ce qu'on a. Hein. Pour qu'on puisse passer. Ok, ça fait du taf déjà. On saute. On finit lui. Si tu pouvais aller là. Mettre un petit peu de poison sur sa tronche, bof, assez moyen. Alors là, il y a un alpha quelque part. Ouais, il est juste ici, putain, planqué quoi. Planqué et largement explosif. Comment on va pouvoir le coincer? On peut pas le coincer, il n'y a pas moyen de le coincer. Si je l'attaque, il m'explose à la gueule. Il faudra éventuellement que toi t'arrives et que tu grenades là-dedans. Mettons ça. Avec ta dernière grenade. Même si ça m'étonnerait que tu puisses faire grand chose avec. Ouais, ça suffit même pas à tuer ça. Je vais venir ici, comme ça tu peux au moins mettre un single quack, et c'est un échec ce single quack. Parfait. Naze, c'est naze. Bon, éliminons ça. Et puis bah, on va tenter de se mettre en défense en full burst. Hein. Avec un peu de bol là, ouais mais non, il va passer là, on l'élimine et c'est fini, il va péter la tronche quoi. Bon. Bah c'est de la merde. C'est de la merde, ce tour. Oh ça va, ah oh, mais ça a foutu des flammes. Ah oh, mais jamais on va pouvoir passer quoi. Oh putain. Là, je m'attendais à pire comme explosion, cela dit. C'est plutôt cool. Enfin cela dit, on a des flammes sous nos pieds. Hein. Oh mais combien ils sont. Au secours. Aïe, aïe. On prend. Oh là, il y a tellement de stacks de poison la pauvre pisse-pousse là. Aïe. Aïe. Non, elle va crever. Obligé là, entre le poison qu'elle vient de se prendre et tout, elle va crever. Non, pas ce tour là. Mais il nous reste de PV, 5 PV. Ça, ça enlève fire et acide. C'est absolument pas assez. La soigner à coup de petite merde. Mais ouais, il faut qu'on se bouge le cul. Hein.
Vas-y, saute-toi tant qu'à avoir des flammes. Full burst. Ça doit commencer à être un peu clean là en termes de... d'ennemis là. Mais non, c'est abusé, un putain d'alpha crawler. Mais c'est vrai qu'il y a un nid là en plus. Oh là là. Bon. J'adore. Du coup, toi tu peux sauter de 2, mais il y a 3 cases. Non, toi tu peux pas sauter de 2, toi. Donc tu vas là. Tu sautes là. Tu prends des flammes, tant pis. Toi tu sautes là. Non, ah, mais de toute façon tu peux même pas sauter en diagonale là, c'est mort. T'es obligé de prendre les flammes quoi. C'est tellement abusé. Yes, sir. Oh là 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 là. Mais non, j'hallucine. Oh là, c'est tellement n'importe quoi la difficulté quoi. C'est une mission à un crâne, je rappelle, hein. On va se faire déboîter le cul. Mais déboîter le cul. Est-ce que tu peux sortir de défense et te baisser, toi? Non. Ah putain, en plus, oui, t'es à la lance-grenade, quoi. Est-ce que tu peux aller ici puis balancer un coup de grenade? Non, t'as pas de... t'as pas assez de points. Dommage, j'aurais dû y penser avant. Ici, bah go, hein, on essaie de s'arracher comme on peut, mais alors rien qu'avec les flammes là, elle va crever. Hein. Il ramasse ça, pourquoi pas. Oh, c'est n'importe quoi le jeu, quoi. Il est toujours aussi bon, hein. Franchement, il est toujours aussi bon, je m'éclate toujours autant dessus. Est-ce qu'il est dur, putain? C'est un truc de fou comme il est dur, quoi. Allez, va jusque là. On va au moins te mettre une petite pilule là, une petite pilule là, pour enlever un petit peu de build-up. Non, on va se prendre des attaques de zone de l'autre enfoiré, là. Vas-y, défends avec ce que tu peux. Ici, bon, on peut pas défendre. On peut pas reload. On n'a pas le micro-roquette non plus. On peut rien faire. On va se foutre par là. Et c'est parti pour ce tour infernal. Et très bien, il y a des nœuds là-bas. Des œufs, pardon. On n'est pas loin hein, de la sortie. Hein. Mais bordel! Et là, on n'arrive même pas à tuer un pauvre vert, quoi. Nos mecs, ils sont épuisés. Lui, il va nous faire des dégâts. Oh, un alpha. J'hallucine. Il me dit pas qu'il a assez de mouvement pour venir jusqu'à nous. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Vous êtes sérieux. Oh la vache. Les flammes. Bon, on va leur grenader la tronche. Ah, ils nous rajoutent, ils nous font des dégâts directs de flammes parce qu'on est, on est enflammé là. Et lui, il va crever aussi. On va pas se mentir. C'est la merde. On a pris feu. Ok, on va arrêter cet épisode-là. Il va falloir que j'y aille. Oh là là, c'est tellement
du délire, quoi. J'espère que ça vous a plu. Je pense que je voulais tester la mission à 1, mais je pense qu'on va reload de la campagne en normal, c'est pas possible. Hein. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'ici. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.